Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo pour parler un peu de recrutement puisque comme vous devez le savoir si vous êtes pas nouveau ancien sur la chaîne, donc vous devez savoir que je suis développeur de jeux vidéo amateur et donc que je suis en train de développer un projet en ce moment qui s'appelle ArmaCube. Donc vous avez les images à l'écran. Donc c'est un jeu roleplay, j'avais pas expliqué dans ma vidéo avec un petit extrait, j'avais pas expliqué le principe du jeu, donc ce sera un jeu un peu roleplay comme Altis Life sur Arma 3 pour ceux qui connaissent. Ce sera pas exactement du Dark RP puisque on pourra pas construire comme dans Dark RP, etc. Mais voilà, ce sera plus du Altis Life dans un univers un peu low poly, donc voilà. Donc on est en recrutement puisqu'on était, enfin j'avais un modélisateur qui a décidé de quitter le projet. Donc maintenant on recherche un peu pas mal de monde puisque on n'est plus beaucoup, on n'est plus que trois, dont un qui est juste modérateur, donc qui sert un peu à rien si je peux me permettre. Il fait un petit peu modélisateur mais il a vraiment que des bases. Donc voilà. Donc aujourd'hui une petite vidéo recrutement, donc parce que puisqu'on recrute, puisqu'on a perdu un modélisateur qui était assez bon, donc voilà. Donc on recrute qui et quoi comme personne, donc quelles caractéristiques. Donc on recrute des personnes assez sérieuses qui font pas, bon on fait des fois on rigole etc, mais des personnes sérieuses dans le sens où bah il y a un moment pour rigoler et un moment pour travailler. Donc voilà. Des personnes donc avec micro. Bon après si vous n'avez pas de micro, ce sera un peu plus difficile, mais si vous avez de réelles performances, on n'en aura pas vraiment besoin. Des personnes assez actives. Pas des personnes qui se connectent une fois par semaine, comme ça de temps en temps. Il faut vraiment des personnes actives, donc assez souvent le soir, etc. Donc on recherche qui comme personne? Donc on recherche des modélisateurs, deux voire trois maximum, donc puisqu'on en a zéro. On recherche deux animateurs maximum, donc des animateurs 3D, donc des personnes qui savent faire des animations 3D, donc une voire deux. On recherche donc un codeur, donc ça sert à rien d'en avoir 1 million. Bon après. Je prendrai par rapport à ceux qui ont plus de performance, puisque moi j'en ai pas énormément, je suis vraiment amateur. S'il y en a qui en ont plus que moi, bah, ils seront pris, bien évidemment. On recherche aussi donc une communauté, donc des personnes qui pourront tester le jeu. Donc le jeu pour l'instant il est sur itch en version prototype. Donc il faut un mot de passe pour accéder à la page, puisque le lien est accessible partout, mais il faut un mot de passe. Donc le mot de passe, vous avez juste à me demander en message privé, et moi je vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Donc une communauté pour pouvoir proposer des idées, aider au développement donc indirectement, en signalant les bugs, etc., les glitches, etc. Donc ça pourrait nous aider, ou encore... en faisant des donations, donc des petites donations, mais ça pourrait aider par exemple pour les hébergements de serveurs, pour obtenir des meilleurs serveurs, puisque c'est un jeu roleplay, je le rappelle. Donc voilà, au niveau de la modélisation 3D, il me faut des modélisateurs qui connaissent un peu le style low poly, donc qui savent ce que c'est, et qui savent un peu modeler du low poly. Donc j'ai un autre projet qui a pas encore commencé mais qui est un peu plus sérieux, un peu plus réaliste. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en modélisation un peu plus réaliste, bah, vous êtes la bienvenue aussi, il y a vraiment pas de problème. Donc au niveau de jeu, il sera gratuit, donc il y aura pas de différence. Après il y aura des versions payantes, donc qui permettront juste en fait de par exemple créer ces maps etc. pour leur serveur importé mais de toute façon tout ça c'est sur le Discord qui est dans la description de la vidéo. Donc voilà, c'est déjà de la fin de cette vidéo, je vous attends nombreux sur le Discord, c'était Nesso, allez peace.